Yo tout le monde, voici les commentaires what the fuck du jour. Sauf que aujourd'hui, la vidéo commence en 480p. Pourquoi? Bah parce que je me suis fait bien niquer par ma carte SD quoi. Alors nos vidéos sur les phénomènes célestes de Chris comme toujours. Enfin, j'arrive sur nos vidéos avant qu'il ait 320 vues. Sinon, super vidéo, sinon ça. C'est le code pour lancer la bombe atomique que Hitler a inventé, mais qui n'a jamais été utilisé. C'est un code pour rendre mon spermatozoïde dépressif et qui a été éjecté par la bite de Uranus. Partout je marche, j'ai bloqué. Non, je crois que c'est la cocaïne et qui est restée dans ton sang. Et pas que dans ton sang. Et Guy 18. Ensuite, une autre vidéo sur Apitruflen. Alors, un Apitruflen. Putain de merde, on va dire HTF, comme ça on est bien. Alors là, je vais sortir mon plus beau anglais que j'ai eu. Depuis la maternelle, alors, is there a command here that isn't in an foreign language here? Putain, j'ai raté le language. Enfin bref, on s'en fout. No, non. Name, extra, j'ai rock con respecto a ti. Para mi también eres un extranjero y uno muy idiota. Sachant que la rentrée c'est un peu moins d'un mois, donc on est bien préparé pour l'espagnol, la matière où je suis la plus mauvaise. Hein? Et là, tout d'un coup. Je débarque, Force and Produce, la nouvelle émission de télé-réalité de TF6 où il y a des sariales violeurs qui sont en train de se battre pour un putain de force. Non, en fait, c'est quoi l'objectif de ça? T'en as trop pris, gros. T'as capté ce qui se passe au moins? Non, je capte pas la 4G, mais par contre, je capte la 6G. Par contre, j'ai un débit descendant de 0,00000010 KO par heure. Sinon, vous avez un autre problème avec comment ça s'appelle déjà la boîte magique qui permet de parler avec quelqu'un d'autre tout en attrapant un cancer inconnu. Je recherche le nom dans la base de données. Ah oui, ça s'appelle un téléphone portable. Vous connaissez le téléphone portable? LOL. Tiens, t'as déjà vu Pop dire putain, en français en plus. Et ensuite, des orgasmes de malade. Et ensuite, 1666, vous voyez qu'ils sont en train de violer une mouche volante. Et ensuite, tu savais qu'on pouvait pisser dans ce qui s'appelle les toilettes. Hein? C'est quoi ce que tu prends? Réduis tes doses, mec. Ou alors tu m'en donnes. T'as déjà vu des banques de drogue? Là-bas, il y a du... Et du... Attends une seconde, je suis en train de me faire poursuivre par les journalistes de fête entre elles. La nouvelle émission de TF6, t'as déjà mangé une vitre cassée? Si oui, ça a quel goût? À suivre.